Stéphane, tu es un artiste que l'on sent engagé à différents égards. D'abord parce que tu as fondé une association pour favoriser la scolarisation des mineurs isolés qui s'appelle Droit à l'école. Ensuite parce qu'il n'y a qu'à regarder tes peintures vibrantes et colorées pour comprendre que tu y mets tout ton cœur. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus concrètement de quoi on va parler aujourd'hui et ce qu'on va faire ? Aujourd'hui, j'aimerais parler plus spécifiquement d'un courant d'art abstrait qui s'appelle l'expressionnisme abstrait et qui est né aux États-Unis et m'appuyer sur trois grandes figures de ce mouvement, trois femmes. Puisque en fait, le mouvement est assez connu avec des peintres emblématiques comme Pollock ou de Kooning, des très grands peintres américains. C'est surtout des hommes et il y avait aussi il y a beaucoup de femmes dans ce mouvement. Moi, c'est des peintres que j'adore depuis longtemps et m'appuyer sur leurs travaux à elles pour essayer de donner envie de faire par soi-même ce travail.